Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle aventure, cette quadrilogie. On va commencer par le premier jeu, hein, Drake's Fortune. Nous sommes bien entendu sur Uncharted, comme c'est écrit à l'écran. Musique incroyable. On va commencer la partie tout de suite. Callis. Regardez ça, c'est parti pour cette nouvelle partie. Bah oui. On va jouer ça en normal. Je crois que niveau facile, c'est facile. Et niveau explorateur, c'est vraiment les doigts dans le zen. Du coup, je pense que ça ira. J'avais fait ces jeux-là il y a à peu près un an. Donc pendant les premiers confinements et tout ça. Et ça m'avait bien plu. Je suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière? T'as l'air de trouver ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois? Ben, j'ai fait des recherches, et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Ah, les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai! Petit filou. Qu'est-ce que c'est? Allez, montre-moi! Non, pas question. On a parlé du cercueil. Point barre. Attends une minute, si mon émission n'avait pas financé cette expédition, tu... T'as eu ton scoop, chérie! Écoute bien, Drake, t'as signé un contrat. J'ai le droit de voir absolument tout ce qui... On peut reparler de ça plus tard? Sully, on a des ennuis, magne-toi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Des pirates. Des pirates? Ouais, des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais de quoi tu parles? Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à... à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Eh ben c'est parti. Et n'empêche que comment pour l'époque... Comment nous ont-ils retrouvés ici? C'était pas délirant. Ces types me suivent depuis des semaines, je pensais en être débarrassé. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait? C'est une longue histoire, tu sais. Oh putain. C'est vrai que la sensibilité est incroyable. Si tu t'aimes pas beaucoup, non? Assez bavardé, faut tirer! Comment on recharge? Voilà. Dépêche, Sully! Oh putain là. La sensi, c'est dur. Hein. Bon alors, ça fait un petit peu vieux au début. Je peux le comprendre. Tu vas comprendre ta douleur! Il monte à bord! Je l'ai en joue! Ah non, je crois pas. Ah zut! Comment on... Attends, parce que je l'ai fait il y a un an, certes. Mais alors, je me souviens pas de tout. Hein. Bon. Pourquoi pas après tout, hein? Tue-le! Pas ici! Ok, c'est brutal. T'as fait des combos brutaux, mec. Je me rappelle avoir bien galéré pendant ce premier jeu-là.
Putain, mais ils font que devenir au... Sully, tu fais quoi, là? Au corps à corps. Sors-lui! Ok. Tiens, mange tout ça. Heureusement qu'on n'a pas de barre de vie. Mon dieu, Greg! Celui-là a une sorte de lance-roquette! Oh, quoi? Ah, ça craint là. Qu'est-ce que c'est? Mais je vais mourir! Allez, Sully! Attends, il y avait un truc là. Oh, je crois que je peux dire adieu à ma caution. Ah, d'accord. La cavalerie est arrivée! Oh. On est sauvé. Oh non! Non, pas vraiment. Ah, zut! Le bateau va sauter! Faut qu'on plonge! Ouais! Attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Ok! Allez! C'est bon! Viens! J'espère que c'est une caméra waterproof, hein. En fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir tellement un grand écart entre les phases de gameplay et de cinématique au niveau du volume. C'est incroyable. Je peux pas te laisser seul une minute, mon pote. Hey, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau. Tu vas bien? Quelques années de thérapie, ça ira. Je reconnais bien là la belle et talentueuse Elena Fischer. La flatterie vous fera passer à la télé. Eh oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Oh. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous diriez de partir avant qu'on se fasse à nouveau remarquer? Bon. Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Alors, t'as trouvé le cercueil? Une petite minute. Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, Sully. Il devait être sur un gros coup. Ouais, bon, sans garder ça pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Drake. Je crois que j'ai bien mérité de jeter un petit coup d'œil à ce journal. Alors qu'il naviguait dans le Pacifique, Drake prit la flotte espagnole par surprise. Il captura leurs navires, il prit leurs cartes, leurs lettres, leurs journaux. Et il reporta tout ça dans ce journal. Alors ça... Mais, de retour en Angleterre, la reine Elisabeth confisqua tous ses écrits de voyage, y compris ce journal. Et elle fit jurer à tout l'équipage de Ster. Oui, alors ça... Tu vois, Drake a découvert un truc lors de ce voyage, Sully. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'ébruiter. Ok, Nate, imagine que tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas et viens-en directement au fait, ok? Ah, c'est ce qui s'appelle aller droit au but. Tu dois avoir du succès avec les femmes. Disons qu'elles se plaignent pas. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Regarde ça. Oh, oh, oh. Hein? Ce foutu Eldorado. Il était sur un gros coup, hein. Il dit autre chose? Oh, alors maintenant ça t'intéresse? Ouais. Eh bien malheureusement non. La dernière page a été arrachée. Je te le dis, Sully. Ça y est. Cette fois, ça y est. Ouais. Seulement, on aurait comme un petit problème. Oui, c'est ce que j'ai dit, il a sauté. Il a coulé. Non, c'est pour ça qu'on a une assurance, non? Oh. Oh, non, non, la caméra, non, non. La caméra, ça va. T'inquiète pas pour elle, hein, non? Elle est comme neuve, t'inquiète. Sully, la fille sait se tenir. Tu l'aurais vue. Bien, alors va dehors et dis-lui, on vient juste de trouver la Cité d'Or. C'est son producteur qui va être content. Oh, c'est bon. Nate, tu me fais confiance? Plus ou moins. Bien, parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous, à moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. T'es un vrai gentleman, Sully. Je sais, c'est nul. Elle s'en remettra. Non, je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année? Salut! Non, j'ai pas confiance, ok? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage et je te promets que je vais pouvoir... Les enfoirés.
Vraiment, j'aurais dû m'en douter. Très cool. Oh, attends. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Ah. Oh, arrête. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai? T'as l'air d'un petit jeune, là. C'était différent. Mais, ma foi, tout aussi épuisant. Allez. Quoi, ça me sert? Tiens bon, mon vieux. On est presque arrivés. Tu sais, ça me rappelle. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai vendu une fausse statuette du XVIe siècle à Pablo Escobar. Ah, c'était plutôt culotté. Ah ouais, tu m'étonnes. Le temps qu'il réalise, j'étais... Nate, est-ce que tu m'écoutes? Je bois tes paroles. Pourquoi je me fatigue? Oui, pour sauter. D'accord, il fallait vraiment passer par là. Bien joué. Je peux pas courir là pour l'instant. À moins que j'ai oublié la touche. Non. Bon, apparemment, j'ai pas besoin de courir. Mais si je peux déjà prendre mon fusil pistolet, ça veut dire qu'on va devoir se bagarrer. Est-ce qu'on n'a pas des petits trésors? Je sais qu'il y a des trésors dans ce jeu-là, comme on a pu le voir au moment où j'ai lancé la partie. Mais bon, en théorie... On va regarder ça. C'est où? Bonus. En théorie, ils ont été gardés. Voilà. Francis Drake est venu jusque-là. On est à des années-lumière de l'Angleterre. Donc à moins que je trouve des nouveaux trésors, on sera pas embêté par les anciens à ramasser des trucs déjà trouvés. Alors? Je comprends pas. D'après ça, on est pile au bon endroit. Peut-être que tu sais pas lire ce truc. Fais voir ça. Non, c'est bien ici. Là, y a rien ici, Nathan. C'est encore une impasse. Décame, Sully. Relax. Jetons un coup d'œil. Ouais, et du coup, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, pour cet épisode, je vais garder ce micro-casque, casque micro. Et puis, pour le second épisode, je vais essayer avec mon deuxième. Autant chercher une pucelle dans une maison close. Pour le deuxième épisode, je vais mettre mon deuxième casque parce que... j'ai envie de voir un truc au niveau du micro. Je sais que celui-ci a un micro pas trop mal, mais que l'autre a un meilleur son. Du coup, faut que je vois, faut que j'apprenne encore, je tâtonne. Ok. Qu'est-ce que c'est? Un quart de bras? Non, c'est plus vieux que ça. Je dirais 2000 ans de plus. Tu fais des petits sauts, toi, hein. je sais plus ce qu'on cherche, et ça c'est bien. C'est qu'en un an, j'ai déjà tout oublié. Plutôt bon signe. Je me rappelle de quelques phases bien embêtantes telles que un train. Non, deux trains même. Rien pour l'instant. Les phases de train dans Uncharted, c'est Uncharted. C'est vraiment pas bon fort. Hey, ah oui, il y a une phase. Il a dans... l'air bizarre le sol en bas. Ah ouais? Oui, il y avait des murs quoi. Et une phase contre un boss où il fallait péter des trucs. C'est creux. On doit trouver un moyen de casser ça. Jusqu'ici, c'est assez... C'est pas fléché, pas besoin d'aide particulière. Mais c'est assez instinctif, en soi. Ok. Je suis en train de me barrer sans Sully. Yes. Bon travail, petit. Merci, grand. Je descends, du coup. On y va, hein. Je sais pas ce qu'il attend, le gars. Pas de piège, ici, hein. Attention, hein. Pas de blague. Ah ouais, non mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je me souviens plus trop du jeu. Mais alors, je me souviens parfaitement des phases où j'ai galéré. Et ça, c'est très fort. Ouh, c'est charmant et accueillant ici, hein.
C'est pas vraiment ce que t'as imaginé. On dirait dans les commentaires si vous voulez que j'active ou pas les sous-titres. Il est où ce trésor? Ah, cet endroit a été pillé il y a des siècles. Ouais, par notre bon vieux pirate. Non, c'était pas Drake. Regarde ça. Les Espagnols. On dirait que les Espagnols sont arrivés avant lui. Oh. C'est quoi ton problème? Nathan, je cherche pas un vulgaire bout de ferraille. Je suis endetté jusqu'au cou. Je comptais vraiment là-dessus. T'es encore trop flambé à l'image, Paris. C'est vrai. Et puis, il faut dire que sur ce coup-là, j'ai mal joué. Tu sais, je t'ai toujours dit de faire attention aux mauvais garçons. Et aux filles aussi. Ouais? C'est toi qui dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette journaliste. J'ai bien vu comment tu la regardais. Elena? Bah, arrête. J'ai plus aucune chance avec elle depuis qu'on l'a abandonnée sur les docks. Tous les coups sont permis en amour, gamin. Ah, et si jamais elle pensait pas comme toi? Eh ben dans ce cas, petit, t'es dans un sacré pétrin. Ok, les Espagnols ont laissé un sacré bordel derrière eux. Par contre, je suis assez chaud d'avoir reconnu un casque espagnol. Soit ça ressemble au casque du tel marin dans Narnia. Sans blague. Ouais, sans blague. Tu fais des blagues nettes. On peut pas monter là-dessus. Hein. Si je tire là. Bien joué. Ça va marcher. Eh, 8000 de QI. Oh, 8000 de QI. Alors je crois que c'est comme ça. Le recharger c'est R1. Ce qui n'est pas dans mes habitudes. Zab. Ah, il faut m'attraquer. Peut-être que je mettrai laisser appuyer pour éviter de d'endommager ma manette, mais bon. Ok. Ok. Peut-être que je vais le faire maintenant du coup. Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça? Non. Il n'y a que ça. Peut-être là. Indice, association. Bon. Je sais pas. Laisse-moi faire ça. Ah, c'est parce qu'on n'est pas assez fort. C'était ça l'astuce. Je vais la maintenir ouverte. Va voir si tu peux la coincer de l'autre côté. Oui. T'inquiète. Je suis Nathan. Allez, on y va. Ça devrait tenir. Grouille-les. Peut-être un peu augmenter les effets spéciaux, comme ils disent dans le jeu. J'ai l'impression que c'est pas très très fort. Ça peut rajouter un peu de... C'est vraiment pas passé loin. Un peu de réalisme. Espérons que cet endroit a une porte de derrière, hein? Oula, oula. Commence pas à parler de ça. Tiens, ça me dit quelque chose. Je crois que Drake en parle dans son journal. C'est un bras zéro. Ouais, ici. On dirait une sorte de lampe ou de bras zéro. Oh putain, mais je suis trop Regarde chaud. Si tu peux l'allumer. Alors, on critique mon cigare, mais finalement, on est bien content de le trouver, hein? Au plus ton briquet que ton cigare. Pas forcément satisfait de trouver ton cigare. On ne se connaît pas. Yes! Formidable! Ok, on est chaud. J'ai encore augmenté un petit peu. J'avais peur que ce soit vraiment trop fort et qu'on m'entende plus. Je vais mettre comme ça. Waouh, waouh! C'est la purge sonore. Alors et maintenant? Et ben maintenant on descend. Avec 30 ans de moins, j'aurais peut-être réussi à faire ça. Oh. Ah. Oh mon dieu, non. J'étais en train de me gratter l'épaule. Ok, on recommence. Ok, en fait, faut juste matraquer la touche. Non, 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 non. Pour arriver où? Ok, boss. Ça, je sais pas ce que c'est. Les effets d'eau sont propres. Comment je te fais descendre mon gros jambon?
avec ça. Ah oui, d'accord, il y a une échelle. Enfin, ce qu'on appelle une échelle. Hein. Vas-y, viens Sully. Sullivan. Est-ce que vous connaissez beaucoup de Sullivan ou des Sullivan d'ailleurs? Allez, sur ton briquet. En plus, c'est bizarre, il a dit cigare, mais il allume une allumette. Il est où? Ah, j'ai pas le bon angle. Attends. Oh la vache, caméra. Non. Qu'est-ce que... Comment faire? Peut-être celui-ci. Non. Bon. Écoute, on va pas gâcher toutes nos balles. Peut-être que ça sert à rien. Youpi! Ah. Ici, on peut se cacher, hein. Notez bien ça. Et maintenant. Ah ouais, je me rappelle de cette énigme. Je m'en rappelle parfaitement même. En fait, c'est trop bizarre parce que... Attends, je reconnais ces symboles. C'est trop bizarre parce qu'il y a un an, c'était une phase totalement étrange pour nous tous. Et le fait de replonger là-dedans maintenant... qu'est-ce que je cherche? Il faut respecter l'ordre de ces symboles. Je sais même pas ce que c'est ce truc. C'est une sorte d'araignée. Attends, l'ordre des symboles. Donc c'est pas toi en premier. Toi t'es en quatrième, donc en dernière. Et toi... Oh, ça va, on peut remonter ici. Par chance. Donc ça en première. Hey, se passe quelque chose. Tu m'étonnes. Deuxième, c'est quoi? Un mec de profil. I believe. Ça doit être juste à côté, non? Je sais pas. Non, c'est pas ça. Oula, oula, oula. Je te jure, les caméras à l'époque. Un délice. C'est ça ou pas? C'est ça. Très bien. La guerre. Hop. Voilà. Bon, jusqu'ici la caméra, enfin tu sais, le plan éloigné nous aide pas beaucoup. Et on va retourner au tout premier là. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est que j'ai pas trouvé la touche pour courir. C'est qu'il y en a sûrement pas. Ou alors ça doit être vraiment contextuel. Le dernier qui est donc un cercle avec un visage. Une boule de chewing-gum vénère. Pour mal. Et si tu prends enfant. Ouais, on dirait qu'il y a une échelle sur le côté. Ici, y a rien du tout. Attends ici, je vais voir. Bon, sois prudent. Alors, il voit une échelle. D'accord. Ici.
Bon, t'es chiant là, hein. Tu fais pas d'effort. Hé, hey, fais attention, tu mets les pieds. Oh mon dieu. Attends, mais moi je voulais juste remonter, voilà. Ici. Merci. Aïe aïe. C'est vrai que les jeux à l'ancienne, ils étaient vachement stricts. Et là, c'est bon. Est-ce que c'est une sorte de piège? Non. On est bien. Et tu sais, celui, lui, il est juste à, bon, ça à passer ensuite tranquillement. Et là, je peux plonger. Ah, me dis pas que tu vas nager là-dedans! J'en ai vu d'autres. Yes. Qu'est-ce qu'on a ici? Je suis tout trempé. Oh non. Me dis pas ça. Dur. Donc on est descendu pour remonter. Je comprends pas trop le concept. Oh là là, la cam. Ouf. C'est dur, hein. J'y suis. Je suis de l'autre côté. J'y reste. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Qu'est-ce que tu veux que j'ouvre, mon pote? Juste faire tout exploser. Y'a pas d'ouverture facile, hein. Bien joué. Merci. Prends celui-là. Allez, tue-le. Soule. Ah. C'est là les ennuis. Oh, ça a l'air de tenir. Retenez bien ça pour ceux qui connaissent pas la série Uncharted. Nate, sors de là. Quand il dit que ça a l'air de tenir, ça tient pas. Hein. Non. Ça va, Sully? Pas trop dur, j'ai maintenant. J'ai réussi! Tout va bien! Ne pas me parler. Bon, ben... Ok, pas de trésor. Ok, je crois qu'on tient le bon bout. Après ça, on a plutôt intérêt. Ça veut dire que dans ce temple-là, entre guillemets, j'ai déjà tout trouvé. Ou alors c'est super bien caché. C'est quand même fier de leur jeu, hein. Genre là, c'est la vitesse max. Oh, wow. Le temple a dû être construit autour. Autour de quoi? D'une statue. Une statue en or. Une énorme statue en or. Et regarde ici, ces gens, ils vouent un culte à ce truc. Enfin, si c'est bien eux. C'est des singes. Bien sûr. Eldorado, l'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or, c'était ça, une idole en or. Mince, t'imagines ce que ça peut valoir à l'heure actuelle? Regarde ici, des traces. Les Espagnols ont dû la transporter sur des rondins. On a 400 ans de retard sur ce coup. Donc la piste est froide? Ouais, on dirait bien. C'est pas vrai. C'est des mini-rondins, là. À moins que quoi? Qu'on suive les traces? Oui. Bah, on y va du coup. Attends, ici il doit y avoir quelque chose. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de tout fouiller? Bon. D'après un petit check-up de la zone, ça va. Attention. Ok. Hop, je sais pas ce que je fais, mais ça m'amuse beaucoup. En tout cas. Ah! Enfin du Batman. Ça s'arrête là. J'ai l'impression que le mur à l'arrière du temple a été détruit. Ouais, les Espagnols ont dû s'aménager un raccourci pour sortir le trésor. Super. Et maintenant? Bah, on saute.
connais pas Uncharted, Sully, faut sauter. Et je vous avoue la vérité, c'est que je fais la quadrilogie uniquement pour le 4ème. Parce que je l'ai jamais fini. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Il doit y avoir quelque chose. Et j'ai adoré le personnage de Sam et sa voix française notamment. J'ai juste envie de retrouver ça et de pouvoir en faire enfin. Ah là là, pouvoir enfin faire Lost Legacy, je crois que c'est ça. Le stand-alone avec Chloé. Que vous découvrirez dans. Attends, Sully, t'as entendu? Dans le premier jeu. Dans le second jeu en tout cas, ça c'est sûr. Voilà un truc qu'on voit pas tous les jours. Oh mon dieu. Oh la vache. C'est vrai que la première fois que j'ai fait cette partie là, je suis resté bloqué 2 jours là dessus. Je trouvais pas l'astuce. Et puis un jour je me suis dit bon. Ok. Wow, c'est incroyable. Je pense qu'il a dû rester coincé pendant la crue de la rivière. On va jeter un coup d'œil? Non, attends. Tout ça me paraît un peu bizarre. Bizarre? On dirait que t'as jamais vu un sous-marin allemand en pleine jungle avant. Non, je suis sérieux, Nathan. Tu sais quoi, t'as qu'à rester ici. Moi, je vais aller voir, et je t'appelle si je tombe sur des nazis. Ouais, on fait comme ça. Oh, attends. Vidéo démonétisée. Tu veux garder ça pour moi? Ok. Je vais employer la manière forte. Donc comme je disais, la première fois que j'avais fait ça, j'ai trop galéré. Et un jour, j'ai eu un déclic. J'étais en train de regarder, plutôt d'écouter Popcorn. Parce que vu que c'était, je vous rappelle, hein, c'était pendant la première année de Covid, on voyait pas grand monde s'en sortir de chez soi. Et du coup, j'écoutais des gens parler, histoire de me sentir moins seul. Et je crois que je vais être bloqué tout pareil. Parce que... Attends, dans l'eau, je sais plus s'il y avait un truc à faire. Je crois que oui, il y avait quelque chose. Mais alors, pour plonger... Non, il n'y a pas. On va voir, hein. Si ça met trop longtemps, au pire... Non, je pense que ça va aller. Oui, voilà. Faut juste pas que je me foire sur le... Tu vas devoir escalader ces falaises pour atteindre le sous-marin. On dirait bien. Ouais, ça passe là, et... Ah non, ok. Il faut à tout prix qu'on prenne cette petite liane. Bien. Propre. Je suis vraiment chaud. Et n'empêche que... Eh, n'empêche. Je vais dire ça plein de fois, hein, mais... Ça me sidère autant, toujours autant, de voir que le jeu est super vieux. Et qu'il a pourtant plus de détails que certains jeux actuels. Sans citer de nom. Ah, ça c'est... C'est le... Oh là là, je reprends le nom. C'est le problème d'essayer de faire des phrases tout en essayant d'avancer dans un jeu. On se le fait en speedrun, hein, vous inquiétez pas. Putain. Mais pourquoi tu tombes? Il fait des roulades, le mec. Tu es footballeur ou quoi? Get ça. Voilà. Ce qu'il nous faut. Non. Oh putain. Je sais pas pourquoi il se dirige tout le temps un petit peu vers le côté vide de la falaise. Vous allez voir, ça va m'arriver souvent, ça, je pense. Souvent, j'essaie de sauter tout droit. Arrête. Et en fait, au lieu d'aller vers la paroi, il se jette dans le vide, en fait. Oh là là, je suis vraiment une cata. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de let's play et ça s'entend. Hein. Je suis là avec mes en fait. Ok, jusqu'où on peut monter? Je sais pas si je peux prendre beaucoup plus d'élan. Oh, c'était chaud. C'était super chaud, quoi. Je crois que c'est dans les jeux suivants, ils ont fait en sorte que t'aies plus vraiment besoin de sauter. Enfin, genre, il dirige mieux sa main pour te donner une idée de où est-ce que tu vas atterrir.
Si tu veux mon avis, c'est pas ici. Non, ouais, c'est plus à gauche. Hein. Ça doit rendre pas trop mal, n'empêche, sur une PS4 Pro. J'hésite encore à. Hey, fais gaffe là-haut. À passer ça fait à la sacrée descente. J'hésite déjà pour une question de prix. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment rentable, tu vois, genre ma PS4 fat est fait le boulot quoi pour l'instant. Et je me dis bon, peut-être quand il y aura des réductions. Ça fait 2 ans que je me dis ça, les réductions sont pas là. Mais enfin bon, ça arrive, hein. C'est chaud, mec. Tout est maîtrisé, mais c'est chaud quand même. Nate, hop, on est bientôt arrivé. Tu devrais pouvoir de là descendre directement dans le sous-marin. Ok. On va éviter quand même de faire des folies. Et admirer quand même. C'est pas dégueu, hein. Attends, t'as fait ton rappel anti-tétanique ? Non. Ça, c'est marrant. Donc il dit ça pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est rouillé partout. Qu'est-ce que tu vois ? Quelque chose d'horrible est arrivé à ces gars. Il y a du sang partout. Et de la soupe. Quoi ? Ok. Les muscles. C'est un sacré donuts. Tiens. Personne. On se rend pas compte à quel point c'est grand un sous-marin. On va dire qu'on en croise pas tous les coins de rue. Mais quand même. Oh. Les drachmes. Ah. Où t'as trouvé ça, mon pote décomposé de l'au-delà ? On dirait le Capitole. Ou le Parthénon. Je crois que la piste se réchauffe. Comment ça ? Eh bien, je viens de rencontrer un type avec les poches pleines d'or espagnoles. Seules les pièces sont frappées d'un sceau que j'avais encore jamais vu. Tu le fais marcher. On dirait que nos amis allemands ont un petit secret. Tiens, ce serait pas la première fois qu'ils aient un petit secret, ces petits allemands. Oh, je martèle à fond. J'ai quitté le jeu tellement j'étais à fond dedans. Très bien. Il y a un moment où il va falloir sortir très vite, je pense. Hein. Vous aimez les éclaboussures ? Je crois qu'ici on vient chercher une sorte de carte ou de truc comme ça, je sais plus exactement. Dans la cabine du capitaine. Et devine quoi ? Il est toujours là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'il a été tué et découpé en morceaux. Triste fin. Ouais, c'est horrible. Fais lui les poches. T'as du cœur, Sully. Bah si c'était un nazi, bon, voilà quoi. Incroyable. C'est une plaisanterie. T'as quelque chose, gamin ? UK-2642. UK-2642. Je t'ai eu. Est-ce que ça va ?
Sully, tu vas jamais me croire. Vas-y. J'ai trouvé la page manquante. Tu rigoles? On dirait que Drake et nos amis allemands cherchaient le même trésor. Et j'ai la carte qui va nous y mener direct. Nate, j'espère que c'est pas encore un de tes sales plans. Il faut qu'on ramène quelque chose, sinon... Sinon quoi? Sully? T'es là? Sullivan? Sans pas bon, pas bon. Je sais pas pourquoi ça me donne des impressions de style graphique des jeux Telltale. Vous savez, en mode un peu The Walking Dead et tout. Je trouve que le cadavre ressemblait vachement. Oh oh non non non. Ça me dit rien qui vaille. Et dimanche non plus. On y va. Ça peut pas péter quand même. C'est des militaristes. Bonjour. Un ami à toi, Sully? Je suis Gabriel Roman. Ouais, je sais très bien qui tu es, sale con. Restons polis, jeune homme. Tout ceci n'est que du business. Va par là. Doucement. En l'air, les mains. Ça va? Bon, votre ami me doit de l'argent, monsieur Drake. Beaucoup d'argent. Alors, quand il m'a dit que vous étiez sur une grosse affaire, la découverte du siècle, selon lui, eh bien, ça m'a intrigué. Mais il a déjà fait de grandes promesses, n'est-ce pas, Victor? Et là, ça recommence. Encore des paroles en l'air. Oh là là, il est toujours comme ça? Calme-toi, Navarro. Alors, je crains que tout soit terminé. À moins, bien sûr, que vous ayez trouvé quelque chose là-dedans, monsieur Drake. Quelque chose qui pourrait compenser tous ces désagréments. Ils se foutent de toi, Annette, ils ont tout entendu. Donne-leur la carte. Kidou. Une carte de la Kriegsmarine? Quel rapport avec Eldorado? Quoi, tu crois que c'est une coïncidence? Les Allemands cherchaient le même trésor. Cette carte a un lien avec tout ça. Alors, on est quitte? Pour l'instant. Mais voilà un petit quelque chose contre l'amnésie. Allez, c'est bon, laisse-le en dehors de ça. Ouais, vous êtes pas plutôt du genre à couper un doigt ou un truc comme ça? C'est bien trop vulgaire. Non, je pense que ça lui fera un peu plus mal. Oh là, oh 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 oh! Allez, Roman! Il a rien à voir avec... Sully! Sully! Espèce d'enfoiré! C'était pas très débile tout à l'heure, Adjay. Mais c'est pas passé. Oui, j'ai compris. Me l'a déjà dit, ce truc-là. Je peux pas courir plus vite. Hein. Vous inquiétez pas, c'est géré. Normalement, on est en difficulté normale. Ça devrait le faire. Doudou, copain. Pour m'avoir laissé tomber. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Écoute, je suis une assez bonne journaliste pour suivre deux voleurs de tombes. Il est passé par là! Transmets l'info! Il te reste plus qu'un voleur de tombes. Sully est mort. Quoi? Ouais. Et on sera les suivants si on reste là. Oh mon dieu, je suis désolée. S'il te plaît, dis-moi que t'as un flingue. Bien sûr. Oh, merci. Allez, c'est parti. Et toi, je te laisse sans rien. Ok. Tu l'es. Ah oh, putain, dur. Attention. Ouais. Quoi? Comment? Pourquoi? Putain, j'arrive pas à mettre des têtes. C'est bon? Tue-le! Ah oui, il y a du monde en fait.
doit pas nous échapper. Putain, c'est dur, hein. Mec, tu passes ton temps à te faire tirer dessus. Bah alors, il te tire dessus aussi, tu sais. On va prendre un petit peu vos balles, messieurs. Et puis on continue. Par contre, il est passé où? Ah, j'ai pas vu. Oh yes, une AK. Non. Merde. Hop, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout faire en étant sur la paroi. C'est bon. Y'a personne. Ah si, y'a des mecs. Eh, hey, je suis chaud, hein. Attends, y'en avait pas un autre qui avait des petites balles là? Non, y'avait que deux. Peut-être garder Bon, au pire. Bon, ici ça sent l'affrontement quand même. Hein. Peut-être pour. Hop. T'éloigne pas. Ouh la vache. Je peux mourir là-dessus. Oh, on lui a fait une césarienne là. C'était assez chaud, mec. Mais bon, y'a personne. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Une longue histoire, je te raconterai plus tard. Faut être à l'affût. Apprécier la branche, apprécier la vue. Comme dirait Nekfeu. Je crois que c'est ça. Ok, on peut y aller. Y'a plus personne. Par ici. Eh hey, merde. Ok. Allez-y. Putain, j'ai plus de balles, gros. Ok, faut que je me réhabitue quand même un petit peu au jeu. Ça a l'air bon, non? Peut-être pas. Si elle est toujours à couvert. Bah, il est où? Les mecs, ils disparaissent à chaque fois. Tout va bien. J'ai géré. Ils vont venir de gauche ou de droite? Pas de répit, hein? Padre. Plante-toi. Ces gars-là rigolent pas. Moi, je les ai trouvés plutôt sympas, moi. Hop. Raté. Ok, l'erreur, ce serait de... Non, c'est bon, en fait, j'allais dire, on va essayer de rester caché quand même. Putain, je vise toujours un petit peu trop. Ok. Tue-le. Très bien. Très bien. Elles sont où ces balles à lui? Wow. Ça explose pas, ça? Oh.
c'est vraiment chaud ce que je suis en train de produire là-dessus. Il y a un truc qui brille à droite. Tu peux y aller? Oh mon dieu, non! Mais pourquoi? On la refait. On la refait pas. Mais c'est quoi les machins qui brillent sur le côté? Attention! Oh! C'est-à-dire que je l'avais déjà? Attends. Ok. Ils sont beaucoup là, non? Oh, chiant! Arrêtez! You loot. Et voilà! J'ai plus de balles, hein, c'est chaud. Hein. Je fous la moitié à côté à chaque fois. Ah, mais c'est bon! Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai l'impression qu'il en reste un. Yop. Quand même, recharger tout ça. Ah, on peut pas. Bon, je vais garder ça au cas où, parce que la K, j'ai l'impression que... Hé, hey, reste près de moi. Tire plus vite que je ne vise. Qu'est-ce qu'on a là? Ne les laissez pas passer! Je le vois. Oh, par ici. Ah. Oh. Et voilà. Putain. Chaud, mec. Il en reste? Par ici, je crois. Ouais. Ah, par là. Tu sais que j'aurais pu me perdre là-dedans. Où est-ce qu'il est, l'autre? Il n'y avait pas un mec par ici? Ah si, voilà. Et le dernier, on va prendre toutes les balles, hein, on sait jamais. Quitte à en avoir un peu trop. On en a jamais trop, de toute façon. Ça a toujours 12. Ah, propre. T'as toujours été si populaire? Bah, on dirait que j'attire toutes les ordures de la Terre. Elle prend pas mal, hein. J'avais compris, ouais. T'as une bonne mémoire? Pourquoi? UK-2642. Tu retiens? Ouais, qu'est-ce que c'est? Les coordonnées de la Kriegsmarine. Je sais où les Espagnols ont mis Eldorado. Eldorado? Le problème, c'est que je suis apparemment pas le seul. Merde! Et si les Espagnols ont trouvé le trésor, ils ont dû le cacher là, sur cette île. Et Drake les a suivis. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Je vais avoir mon histoire, et toi, t'auras le truc que tu cherches. Allez! Hé, hey, tu sais, ça va pas être des vacances. Je sais me débrouiller toute seule, tu sais. Et en plus, tu me dois quelque chose. Si tu le dis... Nous sommes sur la piste du trésor perdu d'Eldorado, qui nous a menés ici, sur cette petite île au beau milieu de l'océan Pacifique. On va s'approcher un peu. Espérons qu'on soit les premiers. Allons-nous découvrir les ruines d'une colonie oubliée et une fortune en or espagnole? Ou est-ce que cette île nous réserve des surprises bien plus sombres? Ça devrait les empêcher de zapper. Attends, c'était quoi ça? Des tirs anti-aériens. Ça ne fait pas du tout. On n'a pas de répit en fait. Okay. Oh merde! On est en feu! Éteins cette foutue caméra, on va le voir sauter! Sauter? Il y a des parachutes là-dedans, moi! C'est le moment de le découvrir! J'espère que ces trucs marchent encore! On va pas tarder à le savoir! T'as déjà fait ça avant? Bien sûr! Il faut juste sauter, compter jusqu'à 5 et tirer la corde! Maintenant, vas-y! Tu viens pas? Je suis un peu occupé, tu vois! Allez, saute! On se retrouve en bas! Vas-y, je te suis! Yeah!
et tirer la corde. Rien de sorcier. Oh merde. Ah, un truc. Ah, oh merde. Merde, 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 merde. C'était les 5 secondes les plus rapides de ma vie. Ah, ah, ah. Oh merde. Oh merde. Je me fais attaquer par les inconnus, j'oublie la carte dans un avion en flammes, je perds Elena, qui est sûrement morte. Continue comme ça. Et bah vous savez quoi, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, bah mettez un pouce bleu, dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou non, dites-moi s'il y a des choses à améliorer, moi je vais voir de mon côté au niveau du son si tout va bien, s'il y a des petits trucs à retoucher, les volumes, mon micro, des choses comme ça, et puis on se dit à très vite pour la suite, au revoir.